Les rapports affirment que les orques se regroupent. Les attaques récentes contre les réserves en sont la preuve. D'accord. La Horde s'est mise en marche. C'est absurde. Ma nation ne restera pas inactive pendant que la Horde se masse à nos portes. Les orques ne sont pas notre principal problème. Combien de fois devrais-je le répéter ? Roi Terenas, écoutez mes avertissements. Le fléau qui s'étend sur les terres du Nord pourrait avoir de tragiques conséquences. Le fléau ? Vous autres sorciers voyez le mal partout. Il faut garder mesure, même si ce fléau est pour nous une menace. Que proposez-vous de faire ? C'est très simple. Comme je l'ai dit, le Kirin Tor est paré à placer les villages sous quarantaine. Je ne vais pas décréter la quarantaine sans avoir de preuves, ambassadeur. Le peuple de Lordaeron a assez souffert sans devenir en plus prisonnier sur ses propres terres. Ils sont déjà prisonniers, sire. Qu'est-ce que ça signifie ? Qui êtes-vous ? L'humanité est en péril. Les ténèbres étendent de nouveau leur ombre. Et le monde est au bord de la guerre. Il suffit. Garde, emparez-vous de ce démon. Écoutez-moi. La seule chance pour votre peuple est de partir vers l'ouest, vers les terres oubliées de Kalimdor. Vous êtes fou ! Un instant, ambassadeur. J'ignore qui vous êtes et quelles sont vos idées. Mais l'heure n'est pas aux prophètes fous. Nos terres sont ravagées par la guerre. Mais c'est nous qui déciderons comment protéger notre peuple. Pas vous. Partez maintenant ! J'ai abandonné l'humanité une fois. Je ne le ferai plus. Si vous ne pouvez boire à cette coupe, je trouverai quelqu'un d'autre. Je les ai avertis. Leur destin leur appartient.